Hola, hola, bonjour tout le monde. Alors, nos signal, ça c'est pas terrible, nos signal. Pourquoi nos signal? Hola, hola, bonjour tout le monde. Je ne sais pas, c'est bien allumé, c'est bien branché. Là, on est bien au pute, là, on est bien sur une Alors, pute. nos signal, ça c'est pas terrible, nos signal. Pourquoi nos signal? Hola, hola, bonjour tout le monde. Bon, je vais voir, je vais peut-être changer. Hop. Allumé, je comprends pas. Ah non, ah oui, je comprends. J'ai fait une connerie. Alors, il me faut juste aller chercher un câble. Ça commence bien. Je me suis trompé dans mes branchements. Alors, j'avais mis la télé sur le. Au lieu de mettre le boîtier. J'espère que j'ai un câble assez long. Voilà. Ah, voilà, et je garderai la config jusqu'à ce soir. Ça devrait apparaître là, le signal. Voilà! Et la lumière fut. Hop. Disque au format PlayStation. Donc apparemment, tutti va bene. Ok, alors. Par contre, j'ai pas de chat. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas connecté? Et pourtant, si. On dirait bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vais popouter, popouter. Le chat, peut-être que ça marchera mieux. Mais les messages que je mets ne s'affichent pas. Ah si, ça y est. J'ai eu un problème de chat, ça ne s'affichait pas, CMGES. Salut CMGES, comment vas-tu? Bah écoute, on fait aller, on fait aller. Alors je continue. Donc on était sorti de la route des fossiles aux dernières nouvelles. Excuse-moi, j'ai eu un départ un peu foireux. Je pense que c'est bon, là. Donc tu as bien vu mon message sur Facebook. Alors, est-ce que ça va marcher? En tout cas, je vibre toujours en entendant cette musique. Ah, j'ai pas la meilleure. Normalement, ce que je mets, c'est PS1, voilà, comme ça il y a mon petit décor tout mignon. Coucou Psyka, comment vas-tu? La forme? Alors, il faut que je trouve des traces de chocobo donc si je veux. Donc on cherche des traces de chocobo pour aller chercher le chocographe bleu. Qui me permettra de marcher dans la mer et donc d'aller plus vite aussi. Chocographe. C'est comme un chocobon. Mais c'est grave plus bon. Oula, mes personnages sont pas en forme. Une petite forme. On va déjà donner de l'éther à Bibi. Allez, attaque Griffon. Oh, 99 de MP, Bibi, ça commence à aller pas mal. Une arnaque, quoi.
Alors, est-ce que le son n'est pas trop fort? Ah, ça me fait penser à l'histoire sans fin. Il y a un mangeur de pierres dans l'histoire sans fin. D'ailleurs, je crois que c'est quasiment le premier personnage qu'on voit, qu'on rencontre. J'avais lu le livre, alors je sais pas si dans le livre c'est le cas aussi, mais... Bon, j'ai un peu baissé le son de... J'espère que ça ne sera pas pour un mal, sinon je remonterai un peu. Bon, sinon je pourrais tout aussi bien mettre un casque sur les oreilles et vous laisser directement le son en carte son. Hein. C'est une possibilité. Alors, le chocographe, il est par là si je ne m'abuse. Hein. Sauf qu'il me faut des traces de pas de chocobo. Ah, alors 2 secondes, je vais changer de manette parce que celle-là, elle ne marche que dans... C'est celle à la gâchette... La manette à la gâchette moisie. Donc je vais changer juste de manette. Donc voilà, paramétrer manette. Je prends une autre manette. Voilà. Les aventuriers de la gâchette moisie. Voilà, là les deux gâchettes marchent. Alors où est-ce qu'il y a des traces de chocobo? Alors le chocobo, ça aime bien grignoter la verdure. Est-ce qu'on peut aller par là-bas? L'eau est froide, t'es dur avec l'eau de Life is Strange. Arrête de t'acharner sur la pauvre eau de Life is Strange. C'est pas de leur faute si ceux qui ont fait Life is Strange n'ont jamais vu d'eau. Ah, d'ailleurs, j'ai vu à propos de Life is Strange que les... Alors, Dontnod, j'arrive pas à le dire, Dontnod, je sais plus le nom. Bref, ceux qui ont fait Life is Strange ont avancé de nouvelles images sur leur prochain jeu, Vampire, avec un Y. Et ça s'annonce vraiment un RPG, dans le... un peu... Alors, il me semble que c'est dans le Londres de Jacques l'Éventreur, mais en tout cas, c'est époque victorienne. Je suis pas sûr que ce soit à Londres, mais bon, en tout cas, c'est très victorien comme... comme esthétique, une sorte de RPG. Et venant de ceux qui ont fait Life is Strange, moi je suis très très curieux de voir comment ils vont faire ça. Et les images donnent envie. Alors il est prévu pour 2017, hein, donc c'est pas encore pour maintenant. Alors est-ce que ça va être un jeu complet, style Remember Me, un jeu normal, ou est-ce que ça va être un... Ah, c'est par là-bas, non, les traces de Chocobo? Non. Là, il y a une forêt. Alors, ah, ce serait pas ça, là-bas? Il y a des traces. Donc, je vous encourage à aller voir. Hein. Je crois qu'on a... Si on va sur le Facebook de Dontnod... Ah, Dontnod. Ah, mince, j'ai pas changé le titre. Ah oui, effectivement. Alors, on va modifier ça. Heureusement, il y a plein de temps morts dans Final Fantasy. Hop, à la recherche du chocographe perdu. Non, je vais peut-être pas mettre ça encore. Qui sait, selon comment ça se passe, je changerai le titre. Donc, nous voilà. Alors, du coup, j'ai perdu le chat. Voilà, j'ai changé le titre. Bon, c'est toujours le même bête pourrie. Oui, ça, c'est pratique. Hein. On peut même faire une pause pipi au milieu. Bon, de toute façon, on peut toujours faire ça. Hein. Ce qui est pas mal. Ce bon vieux geste qui consiste à appuyer sur le bouton start. D'ailleurs, il faudrait que je check mon équipement. Je devrais faire ça à chaque fois en début de... Non, en plus, j'ai pas mal de trucs qui sont appris. Donc, je vais un peu checker mon équipement pour voir ce qu'il en est. Parce que là, j'ai pas mal de choses qui ont été... Alors, équipement. Didan. Ça, c'est pas appris. Ça, est-ce qu'il a mieux? Pas vraiment. Ça, bof. Ça, rien. Ah, il peut apprendre prudence ou des troubles. Allons pour des troubles. Alors, ah, ça y est, lui, il a appris autoboom. Ah, il n'y a rien de mieux. Ah si, il peut apprendre... Soit... Ah non, ça, il les a...
Ah oui, il les a appris, hein. Donc il a tout appris. Ok. Ok. Ah, brasier plus en plus. Oh, comment j'avais pas vu ça plus tôt. Ah, c'est cool, je vais avoir brasier plus. Autrement dit, l'attaque de feu de level supérieur à l'attaque de base. Ah, alors elle aussi, elle a des choses à apprendre. Ça, je crois qu'elle est déjà en train de l'apprendre, hein, Scan. Ah non. Non, bah, alors on va peut-être apprendre Scan. Ça peut toujours servir. Même si mon bon CMGES sera de bons conseils. Et de bons conseils pour les combats. Ça peut être bien aussi des fois de compter sur soi-même, des fois qu'il serait pas là. Ouh, il peut apprendre niveau plus. Oh. Et d'ailleurs, je vais lui mettre un niveau plus de ce pas. Quitte à enlever quelque chose. Parce que niveau plus, c'est cool. Voilà, hop, il va prendre niveau plus. Comme ça, son niveau... c'est moi, Scan, oui. Scan GES, Scan... Cam... Ah, voilà, bref, on a compris l'idée. Ça va être ton surnom, tu vas être mon Scan. Ah, c'est pas ici. Alors, j'ai cru, hein, j'ai été induit en erreur par le tracé au sol. Alors, je suis peut-être pas au niveau de la bonne forêt pour les chocobos. Parce qu'il y a plusieurs forêts dans le coin. En tout cas, si on regarde la carte, c'est par ici. Bon, on va tourner autour de la forêt. Ah, c'est là? Dans la tache vert foncé? Parce qu'il n'y a pas de traces de chocobo. Alors, c'est là pour le chocographe ou pour le chocobo? Alors ça, il faut lui donner des gemmes, je crois. Hein. Mais comment ça marche? Est-ce que c'est vraiment utile? Bon, des gemmes, j'en ai plein. Non, 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 je le tue pas. Je lui donne des gemmes. Encore? Très bien, tu veux des gemmes? On va te donner des gemmes. J'aime faire plaisir. Monsieur Yeti. Mais il est là, Monsieur Yeti? Oh! Ah oui! Ah oui! Oh! Ah ouais, non, mais attends, ça valait le coup, Psychali, t'as vu? Ah ouais, excellent! J'en veux des comme ça, j'en veux en rencontrer plein! Du coup, bah, j'ai bien fait de modifier mon équipement juste avant de... Mince, du coup, j'ai pas fait gaffe à qui a appris quoi. Ah, elle peut-être, oui. Alors, elle va pouvoir apprendre Nuit Blanche, ça c'est pas mal. Très bien, très bien. Bon, bah tout est bien. Ah. Bon, on va lui donner plus de psy. En plus, c'est bien, là, pour pleine lune, ça a bien progressé. Alors du coup, ça me fait fouiner un peu. Bon, très bien. Continue comme ça. Il y a Monsieur Yeti, donc. Alors, où sont les traces de chocobo? Ça, c'est des traces de chocobo. Ah, là-bas! Vu! Ah, d'accord, il y a un faux monstre gentil. Voici venu le temps des rires et des chants. Alors, choco-légumes! En plus, j'en ai plein. Alors, comment on creuse déjà? C'est carré, hein.
Non, pas... c'est pas carré. Un triangle? Non. On va activer le... Alors du coup, c'est celui-là. Voilà. Ça a pas l'air d'être par là. Donc ça doit être plutôt de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est qu'un chocobo, non seulement on va vite. Non, c'est pas là. Ah d'accord. Est-ce que ce serait par là? Non. Non. Mais j'ai vu tout à l'heure l'endroit qui correspond. Vas-y, dis que mon niveau est... Ah tu sais, j'ai... Alors je pense que je te l'ai déjà dit, mais sache que... En dépit de ce que tu vois là... De ce que vous pouvez voir là, j'ai fini Final Fantasy VII en battant les armes. Alors, à droite. À droite. Donc, la gauche, c'est par là. La droite, c'est par là. Quoi? 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 Je pense qu'en fait, c'est derrière ces montagnes, non? Quoique non, lui, il peut pas les traverser. Ah, ça doit être là. Non. Ah, j'ai peur que ce soit de l'autre côté. Ah! Quoi? Oui! Ah non, c'est pas lui! C'est pas lui, chocolat bleu! Ah oh, mince! Je me suis trompé. J'étais persuadé. En fait, c'est plage paisible, mais plage paisible, c'est même pas... C'est pas sur ce continent-là encore. Donc pas encore ok pour le chocobo bleu. Bon, en tout cas, ça m'aura donné du... Du trésor. Donc c'est plage paisible... Ah! Bon. Ouais, je me suis mal renseigné, ou alors j'ai mal cherché. Bon, du coup, on va continuer. Bon, en plus c'est bien un chocobo, on peut aller assez vite. Donc, prochaine destination. Route des fossiles, c'est de là où je viens. Ah, j'ai pas d'un... Alors, on va donc go... Le village, c'est le village des mages, c'est ça, hein. Le village des mises à jour. Alors, où est ce village? Là, il y a un pont. Non. Je cherche le village. Pas encore, d'accord. Qu'est-ce que j'aime le thème des chocobos? Je pourrais me balader juste pour ça. Donc... C'est le pont. Ah d'accord, donc ouais. Ok, donc il faut passer par là. Hop. Allez, descend. On va sauvegarder parce que malgré tout, on a trouvé un trésor. Ah non, c'est vrai que là, c'est pas par le menu. Faut appeler le Mog. Mais c'est de l'autre côté qu'il y a le village, c'est ça, hein. C'est derrière le pont. Allez, go to the pont. Tout le monde sur le pont. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. De quoi? Ah, j'avais pas fait gaffe à... Qu'est-ce que tu dis, Piscalide? Condéa, la cité des Condés.
pas là où c'est un peu bizarre, où ça ressemble un peu au. Au village des anciens dans. Ou au temple des anciens dans. Dans FF7. Oui, ah, les, oui bah parce que les armes en fait ce sont des. Alors c'est vraiment hardcore, faut un niveau de fou, les invocations maximum. Ça se compte en centaines d'heures hein, le temps qu'il m'a fallu pour y arriver. Ce sont des monstres optionnels. Non! Pas que je suis bon parce que je l'ai fait de manière méthodique et pour le coup j'ai triché hein. Pour savoir comment les battre, je l'ai fait soluce à la main en suivant avec des mimes, en mimant je ne sais combien de fois et en répétant je ne sais combien de fois Chevalier de la Table Ronde. Qui signifie qu'il fallait avoir le chocobo d'or. Bon, il y a un des. Ici qu'il y a un bateau. Ah mince. Activer Quina et la vendeuse. Je peux le manger? Déjà, on voit qu'il y a un mog. Voler de la nourriture, c'est un crime. Recevoir les gens dans ce village, c'est bien. Active time event. Tout, 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 tout. Ok, ça en fait du pognon. Alors, à l'entrée sous la fenêtre. Tourner à l'entrée de la ville. Yes. Bien joué. Dans un lit de l'auberge, un diamant sur la place principale. Donc là, on peut pas aller. Ah, il y avait un truc. Ah non, c'était juste pour mater la nana. Quina, le personnage préféré de Psychalide.
On dirait des espèces de... Je sais pas quoi. Ah, la voilà. On a vu notre dernier personnage, je crois, hein, de l'équipe. Méchant chien. Ah, l'auberge. Alors, serait-ce ici? Oui. Voilà, 1800 gilles. Un diamant sur la place principale et un résurrex à côté de la boutique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Tarasque encore. Tarasque le rouge. Tarasque Bulba. Le chasseur de primes que l'on a vu... Ah oui, donc c'est bien là qu'il y a un bateau, une histoire de mariage. Donc c'est ici, j'imagine, la place principale. Bibi mène l'enquête. Bibi enquêteur. Ah, peut-être en passant par là? Non. Où qu'il est ce diamant? Aïe. Désolé. Bonjour, je cherche un diamant. Ah. Non. Il n'y a pas de combat, donc on peut fouiller. D'accord. Non. C'est peut-être pas ça la place principale en fait. On monte sur l'arche. Je suis monté sur l'arche. Par ce côté. Alors, ici, je peux pas. Là. Ah, si! Yes! Le vaisseau spatial de Cannes. Parce qu'on est en plein festival. Yao, papy noir. Ah, c'était un mage noir. Ah, le diamant, d'accord, merci pour le... Ah bon, de toute façon, j'ai pas ma chinette avec moi. Bon, on va regarder. Juste par curiosité. Non, il a ni chaud ni froid et hypnose. Pas encore le... Il n'est pas venu le temps des invoques. Alors, tu m'as dit ensuite un résurrex à côté de la boutique. Bon, c'est pas très grave. Un mage noir. Oui, c'est déjà ça. Là, on voit bien que déjà, c'est pas un mage noir comme on a eu l'habitude de voir. Il fait ses courses. Au pire, ça se revend. Hein.
Donc voilà, là on apprend qu'il y a des noireaux, donc des mages noirs qui viennent faire leur course ici. D'accord, en passant par l'est. Même les chouettes n'y vont pas, donc ça c'est pour nous repérer en fait. Alors c'est par ici la boutique. Non, c'est par où la boutique? J'ai perdu ma boutique. Ah là voilà la boutique. Donc tu m'as dit à côté de la boutique. Ah, pourtant je suis à côté de la boutique. Bon après le résurrect c'est pas forcément le plus important. D'ailleurs, quelle est la différence concrète entre un Resurex et un René? C'est MGES. Mais non, c'est pas pour ça qu'elle dit ça. Un diamant, c'est tranchant et tout, ça peut faire une très bonne arme. Et puis ça peut permettre de rayer des vitres. D'accord. Non, bah, j'avais même pas fait attention. On sait que j'en ai pas vraiment manqué. T'inquiète, c'est MGES, on se doute. T'as pas l'air, en tout cas. Bon. Ah, mais lui, il est pas encore avec moi, donc tant pis. Mais c'est bon à retenir, ça. Un truc à 5000 qui a effet supplémentaire poison. Je me tâte presque à le prendre maintenant pour plus tard. Bon, ça, j'ai déjà. Mais j'ai pas de feu de canne. Bon. Hop, on prend. Si, je l'ai pourtant. Parce que j'ai appris feu et glace. On va d'abord prendre ce qui est un peu plus élevé que je n'ai pas. D'accord, je économise. On va garder ça comme conseil. Tiare, j'en ai une. Bonnet. J'ai pas de bonnet. On prend un bonnet, allez hop. Bon voilà, ça suffit. Ça suffit. On va voir du coup du côté des équipements. Ah, pas mal ça contre-attaque. Très bien contre-attaque. Ah, j'ai pas pris le Magiclet. Alors je vais prendre le Magiclet. Magiclet, dit comme ça, ça fait bizarre quand même. Ah non, effectivement, j'ai pas pris. Ok. On va voir un peu sur du côté de Bibi. Yep. Ah et pour machinette, tu auras... Ah oui, ça, alors ça canne feu. Ah, effectivement, il peut apprendre... Pourquoi je garde celle-là alors que je pouvais apprendre... Oh là là, oh là là. Mon... Magic LED. Magic Light, vous vous souvenez de Magic Light? Du coup, j'ai pas feu... Et j'ai pas glace non plus. Magic Clé. C'est pas forcément mieux.
Du coup, j'ai pas la canne glace non plus, donc on va prendre la canne glace parce que moi je veux glace plus et foudre plus, ça servira. Ah, les Magic Light. Magic Light, Magic Light. Moi je me souviens même de la musique. De la pub et tout. D'accord, l'entrée est interdite par là. Bon. C'est ça, on pouvait dessiner avec de la lumière. Alors est-ce que c'est cette boutique? Non. Donc on va voir, c'est peut-être par là. Mais là normalement il y a un truc à faire. Ah peut-être. Ah, faut peut-être aller voir pour. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que je vais d'abord au village? Eh, faut faire plusieurs coups de rinçage quand on fait ça, malheureuse. Non. Alors. Ah, le vinaigre blanc chauffé, c'est... En plus, dans du café. Mince, je me suis reposé. Alors, je crois qu'il y a une combine pour la scène CO. Il faut appuyer sur deux boutons en même temps pour vider complètement la cuve. Sinon, si tu fais juste des passages, il reste toujours un fond de cuve et ce qui fait que ton vinaigre, il faudra beaucoup plus pour le... Attends, je dois avoir la notice, là. Je l'ai apporté demain. Pour rincer, il faut appuyer sur normalement en même allumer et appuyer en même temps sur une et deux tasses. Et ça fait tourner le truc en entier. Voilà, c'était le petit conseil Senseo du jour. Bon, apparemment, c'est pas ici encore que ça se passe. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Sexy. Ah, mais de rien. Ça, c'est pour le rinçage intégral qu'il faut faire normalement quand on démarre la machine la première fois. Je crois qu'il faut que je me marie, mais comment déjà on fait? Là, j'ai vu tout le monde. Hein. Après, j'ai pas vu tout le monde avec toute mon équipe. Ah, peut-être avec le... Non, ça, tu me l'as déjà dit. Pour la terre sacrée. D'accord. Bah ouais, attends. Mais sache, CMGES, que tu es une sorte de notice pour moi. Ok, allez hop, on sort de là. Merci, parce que là, j'aurais pu tourner longtemps. Et ça, c'est le point négatif des souvenirs, c'est que des fois, ils nous pourrissent un peu là. Parce qu'on va absolument faire quelque chose. Mais c'est véridique, hein, regardez, ça c'est le bruit de la notice. En fait, c'est un morceau de carton qui s'est détaché de la boîte, de l'emballage. Ouais, je raconte ma life. Et on en a acheté une il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois. Ah, mais en plus j'ai le chocobo avec moi. Bon, go to the forêt qui se situe à l'est, on m'a dit. C'est pas celle-là. Je confonds l'est et l'ouest. Ah, mais c'est ça, si, c'est cette forêt. Qu'il faut traverser. Ah, c'est pratique d'être en chocobo.
Remarque, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas là. Si, c'est ça, hein. Donc, même les chouettes... Attends, chez Gusto, c'est la Xbox 300. Oh, la Senseo est bruyante aussi. Si profonde que même les chouettes n'y vont pas. Ah bah ça devrait te plaire, parce qu'elle est d'un petit côté... énigme. Plein de chouettes, pas de chouettes. Donc je pense qu'on n'a pas l'information si on ne discute pas... En termes de bruit. Ah, avec la Xbox. Parce que la Xbox est bruyante. Je pense. Enfin, si Khalid confirmera ou non. Mais j'ai cru comprendre ça. Voilà, j'ai bien compris. Je comprends bien ma cousine. Faut aller dans la même direction que la chouette. Bon, de toute façon, là, je fais mon combat. Ah, on va inaugurer Brasier Plus. J'inaugure mon nouvel équipement. Oh, zut, je pourrais pas manger le champignon. Ah, peut-être. Oh non! Si. Droite, droite, gauche, droite. Non, c'est pas bon. Ça te mange pas. T'as raison. Si Khalid, tu as bien fait de te suivre à ton intuition, même Quina n'a pas mangé. Même Quina. Donc j'ai fait droite. La première fois. Donc maintenant, je fais gauche. Ah non, droite, droite. Ah ! J'ai fait le con. Bon, je vais sortir et revenir, non ? Ça marche pas. Ah ! Faut suivre là où il y a peut-être pas la chouette. Donc, là, il y a plein de chouettes et là, il y en a pas. Donc, le panneau est là pour... C'est pas un cep. Faut pas se fier au panneau, en fait. Oh, un chou. Après le champignon, le chou. Non, l'artichaut. Bah, bon, oui, ça peut ressembler à un chou aussi. Hein. Voilà, on va voir si on peut prendre le chou. Ah non, c'est une chouette. On va essayer de le manger quand même. Un chou cuit, un chou farci, une chouette. Donc suis ce que je te dis, mais du coup je sais plus où j'en suis. C'est là le problème, c'est que du coup je sais pas où je suis. Donc, est-ce qu'il faut que je suive le panneau? Plein de chouettes, pas de chouettes. Bon, on va suivre le pas de chouettes. Du coup, plein de chouettes, pas de chouettes. Droite. Droite. Ah! Et ensuite, ça sera gauche, droite. Bon, toi, on sait que tu te manges pas, donc on peut te dire adieu. Comment te dire adieu? Voilà, ça va assez vite du coup.
Bonjour, c'est moi, le champignon. Alors, objet, compétence, équipement, toi t'as pris des troubles. Voilà, comme ça tu apprendras de nouvelles choses. Droite, droite. Gauche. Non. Et droite. Ça a l'air de marcher. Merci CMGES, tu es, en plus d'être une notice efficace, un bon guide du routard. En fait, c'est pas CMGES, c'est CMGPS. C'est un GPS. Alors, on va essayer d'attaquer le chou, mais sans le tuer. Donc on va l'attaquer juste à la main, pour pas le tuer. Oh là! Aïe! Pauvre Bibi! Ah, faudrait que je mette contre-attaque à Jidan. Mince, il se soigne cet enfoiré! Aïe aïe! Scan GPS! Ok, ok, y a pas de souci. Oh! Bon, j'ai pas pu l'avaler, mais... C'est un beau coup, Jidan. Alors... objet. Non, on va utiliser de la magie. Elle a pas encore soin d'eux, elle. Alors, lui, on va mettre contre-attaque. Ah, c'est quand même 8 points, la contre-attaque. Hein. Ça, on va garder. On va enlever les killers. Ah, undead. Alors, qu'est-ce que je mets? Plutôt les maléfiques, les tueurs ou les morts-vivants? Ou les humains ou les morts-vivants? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à 3 pour elle? Non. Non, est-ce qu'elle a me convient déjà pas mal? Toi. Il n'y a rien non plus. Ah si, pour Bibi. Alors pour Bibi, je vais activer Parlotte. Parce qu'un mage qui est... qui est bloqué par un mutisme, c'est pas terrible. Donc généralement, mutisme... Une belle chouette avec un bel effet 3D, la chouette qui vient sur nous. Ils ont mis un sort de dissimulation. Bien joué les mages noirs, GG. Allez, je vais même lever le bras pour les mages noirs sur mon chat. Voilà. Des hommes, mon dieu.
Ah oui, carrément, les deux bras pour les mages noirs. Moi, j'aime bien les mages noirs. Et voilà, la misanthrope qui parle. Des hommes fuyés, pauvres fous. Moi, je suis un peu con-con, je l'ai fait dans l'ordre. Mais... Des hommes sont venus. Cachez-vous. Mais je suis pas un homme, je suis un mage noir. Bibi. J'aime bien aussi la musique de ce passage. Donc il y a plein de trucs à... Alors on va fouiller les coins et les recoins. Voilà. Hop. Un petit élixir. Alors, il fuit les hommes, mais quand même, ils nous vendent des trucs. Vague magique, je crois que je l'ai eu et j'en ai fait un... Bon, c'est les mêmes objets que... Ouais, c'est les mêmes objets... que ce qu'il y avait à Batoland là-bas, à Disneyland. Ah ouais, et ça avance bien. Moi je le ferai Dead Space 2. J'ai prévu de le faire, je l'ai hein, depuis un moment déjà. Né de génie. Et d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit de vive voix, alors GG pour ton succès, ta réussite dans Dead Space 2, tu es allé très vite, c'est impressionnant. Quand tu penses que moi je suis depuis 2 ans sur Dead Space 1. T'as vu, Psychalid, c'est pour toi. J'ai mis... l'histoire de Quina. Il n'y a pas un mode multi dans Dead Space, enfin, il me semble que c'est toi qui m'avais dit ça, Psychalid. Font la gueule. Là, il doit y avoir des trucs. En même temps, je comprends que les gens se méfient de moi. Le type, il rentre partout, il rentre dans les pioles, il fouille partout, il vole tout ce qu'il trouve. Non, c'est toi qui m'avais dit qu'il y avait un multi dans Dead Space 2 quand je jouais au premier. Ah, alors là, je crois qu'on va apprendre des choses intéressantes. Un cimetière 56. Un cimetière, ça veut donc dire. Qu'ils ont une sorte de conscience de la mort. Quand on est mort, on doit se cacher dans la terre. Marrant parce qu'en fait ils imitent des mœurs
humaine, mais ils n'en comprennent pas vraiment le sens. Et je trouve que c'est des petits clins d'œil comme ça, anthropologiques ou ethnologiques, qui sont amusants, parce que c'est vrai, ce sont des... C'est pas universel d'enterrer les morts, et encore moins dans le... Dans le règne animal. Il y a des gens qui croient qu'après la mort on revit. Hein. Là, il s'interroge. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un petit côté enfant aussi dans la manière de d'en parler. Un petit côté naïf. Ah mais là je tourne en rond. On est d'accord. Hein. Ouais, j'ai tourné en rond. Bon. Oui, c'est MGS. Alors on a fait des séries sur les zombies où on les intègre au monde humain, etc. Est-ce qu'on a fait des zombies joueurs justement dans des... Qu'est-ce que ça veut dire? Lobby noir, ça m'intéresse. Bon, le choco-légumes, ça va, on en trouve en cherchant les chocographes. J'ai le signe de la Vierge, je l'ai ramassé déjà. Ah, il y a une forge. Canif runique, est-ce que ça vaut le coup? Ah, moi j'aime les poisons. Robe de coton, bof. Jaune large, j'ai déjà. Boucle pure, j'ai déjà. Ah, diadème. Ah. Allons pour le diadème. Coraline, j'en ai un. Chaîne d'or, j'en ai une. Ah, il faut que j'utilise fourchette plus. J'en ai plusieurs de fourchette plus ? Parce que si c'est déséquipé, je vais regarder ça. Est-ce que ça utilise ce que j'ai en équipement? Ah ouais. Je peux pas voir. Non, super. Merci pour la liste, hein. Allez, j'avoue que je suis plus pour l'instant. Alors j'ai eu les terres, j'ai eu la Vierge. D'accord, bon bah alors je vais le faire. Voilà, les 843 giles. Donc je vais aller forger ce que... Je vais aller forger Guy. Aïe. Ouais, ça a été un peu pourri de blague. Nature trop naturelle. L'autre, elle veut bouffer l'œuf. Ouais, je suis pété de thunes. Bon, c'est
en partie grâce à CMGES qui me fait trouver des trésors partout. Ouais, du coup, je suis pas regardant sur l'argent, hein. Moi je dépense. Je dépense sans compter, comme dit dans Jurassic Park. J'ai dépensé sans compter. Moi, je veux l'hobby noir. C'est le plus important. Ben, ça veut dire qu'ils ont pris conscience. Bon, au moins ils sont pas hyper matérialistes, ce qui fait qu'eux ils sont pas. On peut leur piquer des trucs. Bon, où est l'hobby noir? L'hobby, c'est bien la ceinture en arts martiaux, hein. Il me semble. Donc. Je suis venu ici déjà, hein. Mais est-ce que j'ai fouillé la boutique? Oui. Ouais, j'ai fouillé. Ah, j'ai pas vu le coin où il y a le chocobo. Où il y a l'œuf de chocobo. Ah, bah déjà, là, il y a un mog. Hop, sauvegarde. Allez, je vais continuer un peu. Si vous êtes encore là et si ça vous dérange pas, je vais continuer un peu. Ça me fera du bien, j'ai envie de jouer un peu là, de vider un peu la tête. Ah, un petit freeze. Ah non, je jette pas de lettres. Allez, on continue un petit peu. Ouais, puis en plus, là, c'est intéressant scénaristiquement, quand même. Là, on apprend des trucs, c'est pas désagréable. On peut pas le faire dégager, lui. Ah oui, donc là, maintenant, je vais chercher Bibi. À la recherche de Bibi. Où est Bibi? À la recherche du Bibi perdu. Je crois que l'hobby noir, il est sur un toit, il me semble. Pas de Bibi? Ah, Bibi! Ah non, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai de l'administratif notamment à faire. Impérativement. Et puis ce soir, je joue. Normalement. Sur le jeu que tu adores. Alias Folklore. Allez hop, on se repose. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il faut pour avancer. Quand on nous propose comme ça du repos, généralement. Oui, puis là, en plus, c'est pas vraiment mauvais pour lui.
Puis au pire, il a toujours nous. Moi, ça me ferait flipper une lune comme ça. Je dis ça, je dis rien. C'est sympa, Talisman. Moi, j'ai passé une très bonne partie avec toi et Scalopio hier. Après, c'est sûr que c'est moins orienté action. Ambiance. Oui, moi je trouve que pour le moment, Folklore, ça va, puisque pour le moment, on a vu essentiellement du scénar. Ah, tu vois, Psyka, qu'ils comprennent un peu. Ah, lui, il a compris. Du coup, ils créeraient des religions, tout ça. Ah, c'est bien, tu fais bien de pas leur dire. Mage noir 88. Il a vu le dragon d'argent en nord-ouest, ce continent. Ah. Ah oui, ils ont travaillé pour Kuja, donc ils connaissent pour Kujat.
Le cooking. Et il est arrivé. En général, quand on dit j'attendais un colis, c'est que... Ok. Bonne boîte aux lettres. Moi, je vais chercher peut-être Lobby si je peux en attendant. Tu sais où il est, CMGES, le Lobby? Vas-y, mais surtout, te presse pas. Je cherche Lobby en attendant. Où est cet Lobby? Non. Revendu. Ah, mais d'ailleurs, je vais en plus. Ah, tu m'entends plus du tout? Tu me dis si jamais tu m'entends plus encore, je continue de parler, on voit ce que ça donne. Je parle en même temps que je... Ah, donc ça vient de chez toi. Aïe. Réactualise la page peut-être. Aïe. Ah, soins plus et vie. Ah, mon cœur balance. Plouf, soins plus ou vie. Je pense que vie, c'est pas mal, étant donné que j'ai déjà soins. Et à l'étage, la boutique. Ok, très bien, merci. Toujours pas de son. Ah, c'est bon. Ok, cool. Oh, il y a dû avoir une rupture de flux passagère. Alors, à l'étage de la boutique. Ah oui, peut-être là. Donc, pendant que Psyka va aller Est-ce que c'est là? On peut aller là-haut? Ce serait bien cette boutique? Comment on peut aller à l'étage? Apparemment pas par là. Pas par là non plus. Ou alors il y a quelque chose à côté duquel je suis passé. Peut-être c'est plus loin encore. Non, là c'est la boue. Ah, peut-être par là. Ah oui, là il y a une échelle. Mais j'y suis monté, je comprends pas. Je suis peut-être pas allé au bout. Ah. Là j'ai pu tout faire. Ah peut-être. Non, peut-être que ça l'a fait fuir. Le type. Non, là je crois que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il fallait voir. Mais peut-être que maintenant que j'ai fait ça, ça a fait dégager le type. Et ça me permet d'accéder à l'échelle. Enfin, je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Oh, c'était quoi que tu attendais? Ah oui, d'accord.
c'était bien ça l'astuce. Ah non. Yeah. C'est fourbe quand même. C'est fourbe, fourbe ce que je viens de faire. J'ai presque honte. Ah bah ça m'a fait ça hier, c'était un écran, c'était une dalle d'ordinateur. Pour l'ordinateur de ma mère qu'elle a cassé sans faire exprès en fermant... Oh ah ouais, c'est pas mal ça. Hein. Ah pour le moment... Bah choisir quand même, c'est lui qui va dégager. Et c'est toi qui va prendre ça, parce qu'en plus 20% d'HP au personnage le plus fort. Ça ne se... Ah, pour la cuisine, pas pour la musique. Bon, sinon c'est pas grave, au revoir. Je vous ai volé ce que je voulais. Ne pas vous acheter. C'est vraiment petit ce que je viens de faire. J'ai honte. Ouais, puis ça rentre pas dans la boîte aux lettres, le super ventilateur. Allez, on va sauvegarder. Bon, d'ailleurs, je sais pas qui m'a livré la dalle hier. Ah, c'est parce qu'on approche de Roland-Garros. Mais comme je fais le réceptacle de ma mère pour ses livraisons, parce qu'elle sait pas très très bien s'en occuper. Donc c'est moi qui reçois les trucs, et puis je vais faire réparer. Ah, j'ai déjà eu le Mondial Relais. Je pas souvenir de mauvaises prestations de leur part. Par contre, j'ai eu des soucis avec DPD. Colis privé, alors ça, colis privé. Non, je veux juste descendre de mon chocobo. C'est bien, il reste là, sagement. Je crois qu'il n'y a que les nains qui peuvent passer par... le passage du troisième étage pour aller de l'autre côté. J'ai pour idée que CMGES est dans un moment délicat sur Dead Space 2, me tremble. Bon, maintenant les vannes racistes, ça y va, hein. Arrêtez ça. Nous, on est une équipe multiculturelle. On a un mage noir, une je sais pas quoi, un homme singe. Et une invocatrice. Ah bon, pourtant, je suis pas sur des... J'ai vraiment des stats qui... Parce que là, j'ai quand même des indicateurs, que ce soit en kilobits seconde, ou en FPS, ou en images perdues. Tout va bien. Hein. Je suis dans le vert partout. C'est bizarre. C'est peut-être ma connexion. C'est peut-être pour ça que ça rame. Tu devrais peut-être télécharger du porno en même temps. D'ailleurs, vous avez vu ce petit fait d'actualité d'un homme politique américain aux États-Unis, je crois que c'est un sénateur. Il a fait une capture d'écran pour montrer je sais plus quoi. Et il a oublié de... Enfin, il a oublié.
et de fermer les onglets ou de les découper et il y avait des onglets de sites pornographiques et donc il a partagé tout ça. Bon, où est le prêtre? C'est pas le type qui tourne en rond là, c'est lui? Non, non, c'est pas lui. T'étais passé à côté de ce fait d'actualité, Psychalide. Bon, j'ai trois mock posts, il va falloir que je m'en débarrasse. Donc voilà, CMGES, attention quand tu manipules de la pornographie sur Internet, ça peut se retourner contre toi. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Alors, je cherche un prêtre. Parce que je veux me marier, en fait. Où est le prêtre? Il court le curé. Non, non, c'est il fourre le curé. Il court le furé, dis-moi, mesdames. Je cherche un prêtre, s'il vous plaît. Ses réflexions rastoches. Non. Ah oui, je pense qu'il est dans la baraque où il y a les gens qui discutent. Alors où est-ce que c'est? Où est-ce? Ah, le voilà. Katz. Prêtre ou chaman du ciel. Katz comme Eliu Katz, sociologue de la communication, qui fait partie de mes maîtres à penser. Notamment co-auteur de la Two-Step Flow Communication. On a marié tout le monde, tous les frères et sœurs et tout ce qui reste, et ben il reste plus que... Allez. Voilà. GG l'ascenseur social, Jidan. Tu passes de Clodo à Prince. C'est comme la tribu de Dana. Mais on s'en fout, c'est juste pour passer de l'autre côté. Oh. C'est le voyage de noces. Bah, si tu préfères, elle peut se marier avec Bibi, hein. Ah, les cérémonies de mariage. Même en jeu vidéo, c'est chiant. Oh, il y a lui qui se pose des questions, mais il est con. Il comprend rien. Que je suis vraiment irrésistible.
Dagger, on est mariés. On s'embrasse. Et voilà, un râteau pour Jidan. Maintenant, vous allez à la douane annoncer votre mariage aux jumeaux. On va vraiment annoncer notre mariage aux jumeaux. Après avoir quitté Candéa, je ne serai plus ta femme, d'accord. C'est dommage. En voilà un qui... Ça y est, lui, il s'y croit. Ah, mais parce que c'est une femme et un homme, ou alors... Ah, il y croit, lui, hein. Quel beau couple. Ça, ils n'ont quasiment pas échangé un mot ensemble, les deux, ils vont se marier. Quina, je suis vraiment heureuse. Ça va, l'administratif n'est pas très chiant là-bas. Bah ouais, ils se marient, comme ça ils viennent avec nous. Très doué. Hein. Et voilà, nos deux jeunes mariés. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? D'accord. Et là, il y a quoi? Ah, d'accord, ça fait juste un petit tour comme ça, ça fait un raccourci. Allez, Jidan Kedra. On avance, on continue, en route pour l'aventure. Allez, hop, on y va, en route pour l'aventure, on n'y résiste pas. Avec Banga. Est-ce que vous vous souvenez de ça? En route pour l'aventure. Banga! J'aimais bien ça, moi, quand j'étais petit. Je crois que c'était juste après Hugo Délire. Ou avant. Non, après Hugo Délire. Moi, je me souviens surtout qu'il y avait des grands filets pleins de cadeaux à la fin. C'était une sorte de Fort Boyard pour enfants. J'ai vu un mock rose, ça doit avoir bon goût le mock rose. Et voilà, on ajoute une... Oui, je me souviens d'une émission qui était sponsorisée par Jouet Club, mais je me souviens plus ce que c'était. Ou à la fin, on gagnait plein de jouets aussi.
Et il y avait des consoles, ouais, notamment. La Mega Drive. Et voilà, un nouveau personnage qui répond au doux nom de Eiko. Un peluche ? 4 rocs de couleur. Ok. C'est une bonne raison, on dirait Quina. Je suis toujours aux ordres de ma femme. Je suis ton meilleur ami. Comment on va là-haut? Non, sûrement par là-bas. Bon, allez, prochain point de sauvegarde, je vais arrêter, me substanter un peu. Donc un peluche et 4 rocs de couleur. Il faudra sûrement du coup me le rappeler la prochaine fois. Non, je me rappellerai quand même. Allez, on va tester feu 2 puisque j'ai feu plus, puisque j'ai jamais fait. Ouais, mais ça veut rien dire dans ce jeu, des fois les grosses bêtes sont mauvaises. Mais... Ah mais mince, c'est pas Quina. Oh là là, moi j'essaie de les bouffer mais en fait, mauvaise idée. Ah, faut que je fasse attention. Hein. Ah, elle a invoqué, elle a qui? Oh, elle a Fenrir. Elle a aussi de la magie blanche, ouais, en fait c'est une sorte de... En plus elle a soin plus. C'est une sorte de... daga. Hein. Quina, elle fait piquer pour ton plus grand plaisir. Bah allez, on va invoquer Fenrir juste pour voir. Ah non, ça va mourir ça. Donc là j'ai deux soigneurs. Bon, il va rebalancer la sauce. Du coup, on peut attaquer à main nue. Parce qu'à mon avis, ça va pas durer longtemps. Voilà. Une Quina. Une Quina. Quitte. Elle est niveau 20. Est-ce que son niveau est en fonction du mien? Tu étais moche, mais tu étais bien bonne en cuisine. Tu goûtais à tout et n'importe quoi. Bon, pour le moment, elle a besoin de tout ça. Quoique... Ah, elle peut pas apprendre Ramu. Mais elle peut apprendre Phoenix. Elle peut apprendre Phoenix. Alors que Daga... Ah, c'est où? Alors que Daga, non. Du coup, on va mettre Phoenix. Ah, c'était où? Bon, déjà, hop, elle va prendre Carapace. Ça, c'est bien Carapace. Mince, où j'ai vu Phoenix? Ah, elle a pas mal de choses à apprendre.
Ah mince, c'était dans le... Donc elle, elle va apprendre Phoenix. Et on va voir si je peux apprendre... Ah ouais, mais la vie, elle est en train d'apprendre vie. Elle peut pas apprendre Fenrir. Du coup, est-ce que je lui mets Phoenix ou est-ce que je continue à lui apprendre Fenrir? Non, elle va apprendre Phoenix. Parce que c'est moins long à apprendre. Ouais, je suis en pleine réflexion là, désolé, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. Ah, elle a auto-récup, ça c'est cool, auto-récup. Auto-récup, ça veut dire qu'elle a la vie qui remonte petit à petit pendant les combats toute seule. Tente. Donc c'est bon, j'ai pris le roc rouge. Non, j'essaie de prendre le peluche, mais ça marche pas. Ah, plus que 3 rocs. Le petit roc, le grand roc. Oula! Bon, j'ai pas Quina, donc... Donc, on défonce. Alors, juste par curiosité, Phoenix, qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, c'est bien, ça lance une attaque de feu et en même temps ça soigne toute l'équipe. Quand même pas mal comme invocation. Enfin, ça soigne. Ça ressuscite ceux qui sont morts. Donc en cas de situation désespérée, c'est quand même pas mal d'avoir Phoenix. Même si Fenrir est une très bonne invocation, je crois que c'est une invocation qui est pluri-élémentaire, donc... Non, Quina s'est barrée pour essayer de bouffer le mog de Eiko. Eiko. Non, là on peut pas aller. Là, y a rien à escalader. Non. Bon, bah là j'ai perdu du temps et je vais me manger un combat dans la tronche. Ah non. Ah bah voilà. Ah non, c'est pas lui. Ah, est-ce que je peux me débarrasser? Oui. Ça fait déjà 6 mois que je me suis installé à Condéa. On y mange super bien et les gens sont tous sympas. Ici, quand on se salue, on dit un mot, yao. Mais j'ai du mal à m'y habituer. Je dis toujours yapo. Passionnant. Bon, ben je vais m'arrêter là. Hein. Sans Quina. Mais on aura quand même pas mal avancé. Je trouve qu'en 1h40, on a fait pas mal de trucs. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah donc ce soir, pour le jeu préféré de CMGES, Folklore, je pense, j'espère en tout cas. Si je ne suis pas là, c'est que je me suis fait enlever par des extraterrestres et ce serait pas un bon signe. Enfin, bon, j'espère qu'on sera quand même dans la joie et la bonne humeur. Bon, bah... Passez une bonne journée tous les deux. Et donc à ce soir, ciao ciao. Bye bye.